Bonjour mesdames, bonjour messieurs, comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai mis une veste parce qu'aujourd'hui on s'attaque au mastodonte du nœud de cravate, le nœud Windsor. Alors, les deux trois petites choses à savoir sur le nœud Windsor, c'est que tout d'abord il se porte avec un col de chemise qu'on appelle le col italien. C'est un col beaucoup plus large et beaucoup plus écarté que peut l'être le col français. Et pourquoi on le porte avec un col de chemise italien? Parce que c'est un nœud beaucoup plus volumineux et beaucoup plus large que peut l'être le nœud simple ou le nœud double. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le nœud Windsor, je vous mets le lien de mon article dans la description de la vidéo. Allez, on passe à la pratique. Alors messieurs, pour ce nœud, je vous conseille que le petit pan soit un peu plus court qu'à l'habitude, un peu au-dessus de votre nombril. Alors on passe le grand pan au-dessus du petit et on vient tourner autour. Puis on passe derrière la boucle effectuée et on vient en effectuer une nouvelle de l'autre côté. Hop, on passe à l'intérieur et on tire bien vers le bas, on le passe au-dessus. Puis on passe le grand pan à l'intérieur de la boucle qu'on vient juste d'effectuer. Et là, messieurs, si vous voulez le summum de l'élégance, pour effectuer une petite goutte, un petit pli au niveau du nœud, vous serrez. On passe la cravate juste à la base du nœud, en tirant, ça va donner un joli volume à votre nœud de cravate. On serre le tout. Et vous voilà avec un parfait nœud Windsor. Et voilà messieurs, maintenant vous savez comment réaliser un joli nœud Windsor. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo a été claire, si elle vous a été utile et si elle vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.